Et notre premier invité ce soir est Gilles Couture. Alors, vous étiez gendarme en charge de la sécurité et de la protection du président de la République. Vous êtes aujourd'hui écrivain. Vous n'avez pas peur des changements de carrière? Non, non, pas du tout. Au contraire, j'aime bien tourner les pages et enfin, avoir de nouvelles expériences. En quelque sorte multiplier les vies, quoi. J'ai l'impression d'avoir eu déjà plusieurs vies. Et puis, bon, cela dit, l'écriture était ma passion depuis l'âge de 17 ans. Un jardin secret, et puis que je cultivais seul, et puis que j'ai décidé de partager il y a quelques années. Oui. Alors vous avez aujourd'hui plusieurs ouvrages à votre actif. On va parler de celui-ci dans quelques instants. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots. Vous étiez à la prison de l'Alzo cet après-midi. Vous avez rencontré donc des personnes, des prisonniers, pour leur parler notamment de votre expérience. Alors qu'est-ce que vous avez partagé avec eux? À la fois, j'ai parlé de mon expérience de professionnelle avant donc d'écrire, d'être publié. Mon parcours de vie, bien sûr. Et puis, je trouve que c'était vraiment une rencontre très intéressante. En tout cas, apparemment, je leur ai apporté. Cette rencontre leur a fait beaucoup de bien. Mais moi aussi, ils m'ont apporté beaucoup. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même en prison des gens qui s'occupent de donner des cours aux prisonniers. Et il y a un pourcentage assez élevé de prisonniers qui sont volontaires pour suivre ces cours. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai présenté mes livres donc à deux groupes distincts, dont certains avaient étudié mes nouvelles avec leur professeur de français. Donc ça, c'était vraiment une belle rencontre, des beaux échanges, des belles questions. Ouais. Alors, donc, ce livre que vous allez nous présenter, il s'appelle « Un jour en Charente, le mousquetaire et le président ». Donc, le mousquetaire, c'est vous. C'est ainsi qu'on surnomme les gendarmes qui sont chargés de la sécurité des présidents. Et puis, le président, là, en l'occurrence, c'est François Mitterrand. Alors, le François Mitterrand que vous nous présentez, c'est celui qui est peut-être moins connu du grand public. Oui, tout à fait. Mais c'était une volonté de ma part. C'est-à-dire qu'on m'a plusieurs fois demandé d'écrire sur Mitterrand. Et puis de faire certaines révélations, ayant occupé la fonction qui était la mienne, je ne l'ai pas acceptée. J'ai voulu présenter la face humaine du personnage, qui souvent renvoyait une image froide et assez distante, donc en officiel, mais en privé, il était tout autre. Et donc ça, j'avais envie aussi de dire qu'il était aussi comme ça. Et puis, à travers ce visage nouveau que je présentais, du président, j'avais aussi envie que l'on voit le travail du GSPR en privé, donc tout en efficace, bien sûr, en efficacité, mais également en discrétion, donc un travail un peu particulier. Alors, c'est une relation particulière entre le président et sa garde rapprochée. Est-ce que c'est important de bien s'entendre ou les émotions, les sentiments ne sont pas importants? Oui, je pense que c'est vraiment important. Et là, c'est vrai qu'avec François Mitterrand, justement, on avait la chance qu'il ne nous considère pas comme de simples numéros. Il s'intéressait à nous, il est venu dans notre centre d'entraînement. Il est venu, bien sûr, aussi lorsqu'il y a eu des morts chez nous en mission ou à l'entraînement. Mais voilà, il s'intéressait aux gens, il savait qui ils étaient, il échangeait avec nous énormément, hein, dans le livre, ça doit se sentir. Donc voilà, il savait de quelle région on était, si on avait des enfants, enfin quel était. Et avec la mémoire qui est fabuleuse qu'il avait, donc il n'oubliait pas ça. Donc pour nous, c'était quand même une reconnaissance et la chance de travailler avec un homme comme ça qui aurait pu évidemment nous considérer différemment. Quoi. Alors, sans trop dévoiler du livre, on vous suit dans un trajet en voiture donc avec François Mitterrand, et évidemment, il y a une multitude d'anecdotes. Mmh. Est-ce que par hasard, il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur ou que vous pourriez nous partager ce soir? Oui, bien sûr, il y a une anecdote qui n'est pas dans le livre, mais qui est toute simple, justement, dans le cadre de la reconnaissance. Nous l'attendions dans les jardins de l'Élysée, puisque le soir il partait par là. Et donc on était l'équipe de sécurité réunie auprès de la voiture, et on l'a aperçu qui a entrouvert une des portes-fenêtres, et puis qui a fait un signe vers nous. Donc le responsable ce jour-là de la mission s'est rendu à ses côtés. Ils ont échangé quelques secondes, et puis le responsable est revenu
vers le groupe que nous formions. Et là, il a dit, c'est à l'un de nous, il a dit, Serge, c'est toi qui veux voir. Et donc, le Serge en question s'est rendu à ses côtés, bien sûr. Et là, il lui a dit, mais c'est vous qui... vous êtes bien breton, vous êtes bien breton. Hein? Et donc, il a dit, oui, je suis breton. Et il lui a dit, mais il faut être breton quand même pour réaliser ce qu'a fait Daboville, la traversée de l'Atlantique à la rame. Et il n'y a que les bretons pour faire ça. Et donc voilà, c'est au-delà de cette petite anecdote qui paraît rien du tout. Voilà, il se souvenait, en ayant vu l'équipe de sécurité qui était là ce soir-là, il a repéré les visages et il se souvenait que le fameux Serge était donc breton. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, on en a plein. Bon, après, j'imagine, il y en a des plus importantes que j'ai mises dans le livre. Alors c'est une réédition, ce livre. Rapidement, pourquoi est-ce que vous avez souhaité rajouter des petites histoires, c'est ça, à l'intérieur? C'était donner un nouvel éclairage? Oui, j'ai amélioré un petit peu l'écriture, surtout. Les anecdotes, j'en ai pas rajouté, j'ai juste amélioré un petit peu l'écriture, parce qu'il y a 10 ans, c'était le troisième livre que j'écrivais sous mon nom. Avant, j'avais commis des livres en tant que... enfin, nègre, moi je préfère ghostwriter, parce que l'écrivain fantôme, c'est plus joli. Mais... donc ça, c'était juste mon deuxième livre, pardon, sous mon nom. Et c'est vrai qu'en 10 années de parution, j'ai amélioré mon style. Je crois que j'ai progressé, et tant mieux d'ailleurs. Et donc j'ai un petit peu allégé le contenu de manière à ce qu'il soit plus fluide et plus agréable pour le lecteur. Donc voilà, si vous cherchez une histoire humaine, si vous aimez les coulisses, si vous aimez également l'histoire, tout ça est dans ce livre. Gilles Couture, Un jour en Charente, le mousquetaire et le président, merci de venir chez nous. On vous recevra peut-être pour un prochain ouvrage, je crois que vous travaillez déjà dessus actuellement.